Ok, salut tout le monde. Donc là, je vais vous poster la vidéo que j'ai faite, mais que mon téléphone n'a pas enregistrée. Ça n'a enregistré que 2 minutes de la séance. Donc pas grand-chose. Et pourtant, c'est une séance qui était vraiment profonde parce qu'elle a duré 43 minutes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander d'avoir confiance en moi et de savoir que je suis pas là pour vous arnaquer et d'écouter la séance. Malheureusement, vous n'aurez pas le visuel parce que mon téléphone n'a pas du tout enregistrer le message, et en général c'est quand un message est extrêmement important. Et franchement, il a duré 43 minutes, je m'en suis pas rendu compte. Donc je vais vous mettre le fond que je mets en général quand justement j'ai pas le visuel qui va avec, malheureusement. Je suis vraiment désolée, mais là j'aurais pu recommencer, faire une autre séance, mais la séance que j'ai faite était vraiment vraiment profonde et assez importante. Donc je vais vous demander d'avoir confiance en moi et de savoir que j'ai pas tiré des fausses cartes ou autre. Donc écoutez le message si ça vous dit, et j'espère que demain, quand je ferai ma vidéo, tout ira bien. Parce que c'est vrai que ça fait 2 fois que ça me fait ça entre hier et aujourd'hui. Donc voilà, donc ce que je fais, c'est que je vous poste la vidéo, enfin l'audio, et confiance, je suis pas là pour vous arnaquer. Donc j'espère que le message va arriver aux bonnes oreilles. D'accord? Bonne journée et à demain. Bye. Salut tout le monde. Donc on va voir ce qu'on a pour ce jeudi 24. Qu'est-ce qu'on a pour jeudi? Et comme tous les matins, je demande au divin de bénir cette chaîne, de protéger, bénir toutes les personnes qui la regardent, pardon. Toutes les personnes qui ont de bonnes intentions, et de bannir toute personne ayant de mauvaises intentions en regardant ces séances, de bannir toute personne ayant des intentions de vengeance, de haine et qui a un cœur noir. Que ce message soit clair, net et précis pour chacun d'entre nous. Et nous guide dans la bonne direction, nous guide à évoluer pour notre plus grand bien. And so be it. Qu'est-ce qu'on a pour les membres du jardin céleste? Ok, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 22? Ok, on a équilibre. Ou balance, équilibre. Ok. C'est le moment de vous aligner, d'aligner vos intentions avec vos actions. Vous êtes en train de danser entre des forces opposées et votre esprit va dans tous les sens avec des idées. Ok, la complexité de mouvement est importante dans la découverte de nouvelles méthodes, et quand toutes les forces agissent pour nous afin de nous équilibrer, nous sommes en équilibre. Notre persévérance et notre facilité à laisser aller nous permet d'arriver à un stade d'harmonie. Donc persévérance et laisser aller en même temps. Ok. Il nous faut apprendre à accepter les mésaventures ou le manque de chance, mais il nous faut avoir la détermination de poursuivre nos rêves, de rêver grand et avec confiance. L'eau qui se trouve sur la carte prend n'importe quelle forme dans laquelle elle est mise. Donc vous pouvez vous aussi diriger votre énergie où elle est censée aller. Donc en gros, ouais, s'adapter au mouvement. La carte, la phrase d'affirmation, c'est l'énergie va où la concentration va. Ok. D'accord. Donc un besoin d'adaptation. De rêver grand. C'est surtout un besoin d'adaptation malgré les difficultés. Vous êtes en train de danser entre des forces opposées. Ok. Alors, être persévérant et avoir enfin, savoir laisser aller. Ok, d'accord. Ok. On va voir. Qu'est-ce qu'on a pour clarifier tout ça? Thank you.
Nickel. Ok, en dessous, on a le monde. Donc, le monde, ça parle de la fin d'un cycle, ça parle de vous qui avez validé tous les tests, ça parle d'un nouveau départ, tout en étant protégé, d'accord? C'est quand on a vécu des choses difficiles et intenses et qu'on a subi la tour et qu'on a dû se reconstruire et qu'on a dû guérir avec l'étoile pendant 50 000 ans, qu'on a dû peut-être passer par la phase du jugement où on a dû penser à nos actions et à comment elles ont affecté notre destin, mais aussi on a peut-être été jugé, que ce soit dans une affaire en justice ou par le divin. En gros, c'est avoir passé toutes les épreuves des arcanes majeures pour arriver à cette. Enfin, normalement, c'est un 9 de protection qui nous permet de prendre un nouveau départ. C'est quand on a appris toutes nos leçons, normalement. Ok, de quoi avoir. Soit vous êtes déjà passé par là, soit vous avez besoin de continuer à persévérer pour pouvoir arriver à ce stade. La dernière carte, qu'est-ce qu'on a? Le 8 de bâton, le 5 d'épée, le 4 d'épée, le chevalier de bâton. Non, le chevalier de denier, pardon. La reine de bâton et la roue de la fortune. J'ai l'impression qu'il y a une énergie qui vient déranger votre paix, votre calme. Il y a quelque chose, il y a peut-être un message assez conflictuel que vous allez recevoir. Qui va vous demander de sortir de cette phase où vous avez la possibilité de pouvoir guérir. Ça vous demande de persévérer, ouais, malgré les difficultés. Si pour certains, vous pensiez que tout allait bien ou que tout s'était calmé, vous allez pouvoir enfin, je ne sais pas moi, vous reposer ou autre. Ça va vous demander de persévérer encore avec la reine de bâton pour pouvoir atteindre un stade où les choses vont changer. Mais persévérer, mais en réfléchissant. Limite en réfléchissant beaucoup trop. Parce que le chevalier de denier, en général, c'est un signe. Ben, c'est pour les signes de terre. Personnellement, je le mets toujours avec la Vierge. Parce que la Vierge, de tous les signes de terre, j'ai l'impression, pour moi, la Vierge, c'est le signe qui réfléchit des fois. Enfin, qui réfléchit beaucoup et des fois même beaucoup trop. Et ça peut être un talon d'Achille si on se laisse aller à trop réfléchir, à trop penser. En même temps, ça peut être une bonne chose dans certaines situations aussi. Réfléchir à toutes les situations, à tout ce qui pourrait nous arriver si on prend telle ou telle décision. Donc, c'est d'une bonne chose dans certains aspects, mais pas tout le temps, d'accord? On va voir. C'est quoi le 8 de bâton? Parce que le 8 de bâton, apparemment, ouais, la tour. Je ne vais pas prendre toute celle-ci. Désolée d'avoir fait bouger la caméra. Le 8 de bâton déjà apporte le 5 d'épée, d'accord? Mais on clarifie et le 8 de bâton apporte la tour avec le 8 de denier. Donc peut-être quelque chose qui vous dit qu'il va falloir continuer à fournir des efforts, d'accord? Parce que le 8 de denier parle de quelqu'un qui fournit des efforts non-stop pour s'améliorer. La tour bélier, scorpion. Ouais. Ouais, ça part d'une situation qui, pour certains, vous pensez que c'était terminé, mais ça revient. Je suis en train de clarifier le 8 de denier. Une situation qui est complexe, difficile ou lourde de responsabilité. Peut-être par rapport à une relation amoureuse, peut-être par rapport à un contrat, d'accord, un choix que vous allez devoir faire. Et ça va vous demander de fournir encore des efforts. D'accord. Clarifie les amoureux, juste pour voir. Le 7 de denier, ouais, ça demande de fournir des efforts pour avoir un retour sur investissement. Après, ça peut être au niveau d'un contrat, d'un boulot, ça peut être au niveau d'un... Ouais, c'est en général un choix et un contrat, mais là... Pardon, c'est plutôt des deniers, donc ça parle de fournir encore des efforts. Au niveau financier ou au niveau d'un travail. Il y a encore de l'amélioration, il y a encore un besoin de s'améliorer. Clarifie la tour. Vous avez peut-être à faire un gémeaux, bélier, scorpion, si ça part d'une personne. Le 2 de bâton, le chariot, l'empereur, la tempérance.
prenez une décision, allez de l'avant, réfléchissez tel un empereur à toutes les issues possibles avec patience, d'accord? Peu importe la chose qui vient vers vous, qui vous demande de travailler encore, il va falloir que vous décidiez d'aller de l'avant, de donner tout ce que vous avez, mais d'avoir la patience en même temps. De ne pas vous énerver en disant « Ah oh, punaise, je pensais que c'était terminé et c'est reparti » ou quelque chose comme ça. C'est peut-être un test aussi, hein, pour voir où... Parce que la patience aussi, c'est quelque chose qui, pour certains, c'est pas facile. Il y a des gens qui ont de la patience, mais peu d'entre nous en ont. Et peut-être qu'on est en train de tester votre patience. Vous testez pour voir si vous avez la patience d'un empereur, en fait. La fougue et la persévérance, mais la patience d'un empereur pour aller dans la bonne direction. La tempérance, Sagittaire, empereur Bélier, chariot Cancer. Est-ce que vous aurez la patience, l'énergie, le sang-froid de prendre les bonnes décisions dans une situation peut-être stressante ou choquante qui revient. Ça peut parler aussi d'une personne du passé qui peut revenir, mais vous êtes protégé. Quelqu'un qui est un patron ou un père ou qui fait figure d'autorité masculine. Le 5 des épées. Le 5 des épées, c'est la reine des épées. La reine de coupe et la mort, scorpion, et le 3 de bâton. Vous allez devoir imposer des limites et faire ce qui est juste. Prendre soin de vous et mettre un terme à une situation pour pouvoir vous transformer, manifester une meilleure vie ou quelque chose de meilleur. Pourquoi vous aurez besoin d'imposer des limites avec la reine des épées? Ou sinon, pour certains, si on parle d'une relation, vous aurez besoin de choisir entre deux personnes. Une personne qui est beaucoup plus douce, calme et sereine, mais qui demande beaucoup émotionnellement, et une personne qui est froide, qui est totalement le contraire, quelqu'un de très indépendant. Si on parle d'une relation, vous aurez besoin de... Si vous parlez d'une relation et que vous êtes entre deux eaux, vous aurez à choisir entre une personne douce... Et une personne assez froide, une personne qui a besoin d'amour, d'un grand besoin d'amour, qu'on prenne soin d'elle et qu'on prenne énormément soin d'elle et qu'on lui apporte de l'amour, et une personne qui est extrêmement indépendante, froide et qui n'a pas besoin de vous. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas besoin d'amour, mais la reine des épées peut très bien se débrouiller toute seule sans souci. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui limite des fois peu, si c'est à l'extrême, être très codépendant. En général, la reine de coupe me fait penser au cancer, très sensible, très 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 sensible, c'est de l'eau. Et la reine des épées me fait penser en général, j'ai pas forcément de signes pour la reine des épées, c'est tous les signes d'air, assez droit au but, je dis ce que j'ai à dire. Peut-être les Verseaux, puisque les Verseaux sont un signe fixe, donc. Parce que les Gémeaux et les Balances sont directs, mais pas aussi froids et saccadés ou que la reine des épées. Donc ça peut être un signe, un Verseau. En tout cas, si on parle de relation, vous aurez une décision à prendre. Sinon, pour certains, vous aurez besoin de mettre un terme à quelque chose, d'imposer des limites et de prendre soin de vous pour pouvoir manifester une meilleure vie. La fille, c'est quoi la mort, Scorpion? Bizarrement, depuis qu'on est arrivé dans la saison des Scorpions, on a beaucoup la carte de la mort qui revient. Et c'est peut-être une phase de transformation pour la majorité d'entre nous. La mort, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui représente en général les scorpions. Regretter les choses, la déception aussi, la tristesse. Avoir fait quelque chose qu'on regrette et qu'on ne peut pas changer. Se concentrer aussi sur les deux coupes qui sont là et pas sur les deux coupes qui sont... De se concentrer sur les trois coupes qui sont renversées plutôt que sur les deux coupes qui restent. Pourquoi ? Ça peut être aussi un besoin de mettre un terme à ce genre de mentalité, de mettre un terme à « Oh mon Dieu, regardez les trois coupes qui sont renversées, mais de ne pas voir qu'il y en a deux. » Parce que des fois, le 5 de coupe peut représenter aussi une personne qui est extrêmement trop dans la négativité. Une personne qui est aimée, mais qui ne voit pas que l'amour est là. Pourquoi ? Parce qu'elle est concentrée sur les choses difficiles ou les trois coupes qui sont tombées au lieu des deux coupes qui sont derrière et qui sont debout. Il reste quand même 2 coupes sur 5. Le 6 de coupe. Ouais, ça parle de regret. Vous avez peut-être à faire un signe d'eau, particulièrement scorpion ou cancer.
Mais plutôt scorpion en tout cas, enfin j'ai l'impression. Ou sinon, si c'est pas un scorpion à proprement parler, c'est une personne qui est très dans. Je crois que ça peut être un cancer aussi. Hein. Clarifie la mort, le 5 de coupe et le 6 de coupe. Ça part d'une personne de. Ça part d'une situation du passé ou d'une personne que vous avez connue dans le passé, que vous regrettez ou qui vous regrette. Qui regrette d'avoir agi d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'elle a fait cette personne? Vous avez besoin de trouver un équilibre aussi, c'est ça le truc. Est-ce que ça en vaut la peine? Parce qu'on vous a dit persévérance et laisser aller. L'étoile, le roi de denier, le valet de bâton. C'est une personne qui a fait le choix. C'est une personne qui vous a fait subir beaucoup avec l'étoile. Ça peut être un verso aussi. Quelqu'un qui vous a demandé de guérir énormément. Est-ce que c'est terminé même? Un peu comme le genre de personne qui peut-être qui s'est concentrée sur son travail et qui a laissé peut-être, a fait quelque chose. Il y a une personne, alors je sais pas, enfin il y a quelqu'un qui a peut-être mis un terme à une relation, mais pas parce qu'il ou elle le voulait, mais peut-être parce qu'il était obligé, ou elle était obligée, peut-être parce que vous n'étiez pas évolués tous les deux, et ça peut être le genre de personne qui s'est dit, tu sais quoi, tant pis. Je préfère laisser tout ça derrière, me concentrer sur mes finances pour pouvoir évoluer. Mais ça peut être une personne aussi qui elle-même a eu beaucoup de mal, mais qui l'a fait. Ou sinon, si ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un qui maintenant regrette peut-être d'être allé vers les finances plutôt que de vous avoir apporté. Ou peu importe ce que cette personne a fait, c'est une personne qui regrette ce qu'elle a fait. Et c'est une personne que vous connaissez depuis un certain temps. Depuis l'enfance, l'adolescence, pas une personne que vous connaissez depuis un mois ou deux. Une année ou deux, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un bon moment. Que regrette? Qu'est-ce que. Ça peut être une personne qui habite loin de vous, avec le 3 de bâton. Pourquoi elle a ce point? Pourquoi elle regrette à ce point? Le jugement. Oh, le 4 de bâton, le fou et le valet de bâton. Ça peut être une personne qui vous regrette, hein, qui réfléchit. Parce que le jugement, c'est être jugé, mais c'est aussi juger son passé pour voir comment ça a affecté notre destin. Et c'est peut-être une personne qui s'est rendue compte qu'il ou elle a fait une bêtise, qu'il ou elle a pris un risque. Et c'est une personne qui a envie de revenir. C'est pas une personne qui a confiance en elle, par contre. Peut-être qu'elle a peur que vous le ou la rejetiez. Ça peut être une personne qui sait à quel point vous pouvez être doux, mais vous lui montrez que ça, la reine des épées. Pourquoi vous lui montrez que. Pourquoi on a la reine des épées? Concernant cette personne. Le 8 de denier, le 10 de denier, le magicien, le 10 de coupe, le 9 d'épée. Peut-être que vous êtes le genre de personne qui, pour pouvoir être la reine de coupe, donc hyper extrêmement douce, il faut que cette personne vous prouve sa valeur. Il faut que cette personne travaille pour pouvoir vous montrer. Mais ça peut être aussi une chose qui est difficile pour vous parce que ça ne veut pas forcément dire que vous n'avez pas de cœur ou d'émotion, mais en gros, vous avez besoin qu'une personne vous prouve qu'il ou elle mérite que vous lui apportez autant de douceur. Ça peut être le genre de personne qui vous met dans votre aspect plutôt masculin si vous êtes une femme. C'est pas le genre de personne avec laquelle vous arrivez à vous ouvrir totalement. Parce que c'est une personne qui a besoin de vous prouver qu'elle peut obtenir autant de douceur de vous. Quelqu'un qui doit travailler, vous montrer sa valeur. Ça peut être aussi une personne que vous connaissez qui a fait sa vie, qui a eu des enfants, etc. Et vous auriez peut-être préféré que ça soit avec vous. Quelqu'un qui a fait sa vie.
Et ça vous fait de la peine de voir que cette personne a fait sa vie avec quelqu'un. Vous auriez souhaité peut-être que cette personne fasse sa vie avec vous. Et ça vous marque un peu, en gros, pourquoi tu m'as pas attendu ou pourquoi on s'est pas attendu. Des fois, ça arrive. Le 3 de bâton, ça peut être une personne qui habite loin. Ouais, le 3 de bâton, c'est le 9 d'épée, le 10 de bâton, le valet de coupe et le pendu. Un changement. Il y a une personne qui regrette ça. Le 3 de bâton, c'est la personne qui est dans cet état-là. Le 9 d'épée, le 9 d'épée, le 10 de bâton. Quelqu'un qui regrette tellement. Et qui aimerait. Ça peut être une personne que vous avez bloquée, qui vous envoie des messages, mais vous ne les recevez pas. Donc, du coup, bon, ça fait que cette personne est encore plus dans cet état-là. Il y a une personne qui regrette vraiment de vous avoir peut-être maltraité ou de s'être éloignée de vous. Il y a une personne qui commence à voir la réalité, qui commence à voir que vous n'étiez peut-être pas si mauvais. Ou... Avec la reine des épées, le pendu, j'ai plutôt. Ça peut être une personne que vous avez bloquée. Vous avez bloqué son numéro, vous l'avez bloqué sur les réseaux. Donc, peu importe les messages que cette personne vous envoie, vous ne les recevez pas. Et c'est une personne qui regrette tellement, 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 tellement. Qu'est-ce qui fait que cette personne regrette à ce point-là d'un seul coup, là? C'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce qui fait que cette personne regrette à ce point? Ces personnes qui voient votre valeur maintenant. Alors, bon, avant que certaines personnes disent, ouais, il ou elle avait qu'à reconnaître ma valeur avant, j'ai plutôt l'impression que là, ça parle de vous qui n'aviez peut-être pas cette valeur avant. Et la douleur vous a fait évoluer. Et cette personne maintenant se rend compte de ce que vous valez. Parce que vous êtes devenue l'impératrice. D'accord? Ça peut être ça. Après, ça peut être une personne qui ne s'est pas rendu compte de qui vous étiez, ça, c'est clair et net. Mais il y a aussi la phase où j'ai l'impression que. J'ai pas l'impression que vous étiez prêts tous les deux. Ou... Parce que le 6 de coupe, ça peut parler de young love. D'amour de jeunesse ou de nostalgie, mais d'une période où vous n'étiez pas mûr ou prêt. Après, vous me direz, c'est quelqu'un qui aurait pu attendre que vous évoluiez aussi, mais vous. Vous savez comment c'est quand on est ado, quand on n'est pas encore prêt, etc. Ça peut être insupportable et on peut dire des choses difficiles. Et on peut, si on pense à deux personnes qui sont ados, deux personnes qui ne sont pas encore évoluées, c'est quand même compliqué, d'accord? Faut pas toujours voir le mauvais côté des choses. C'est quand même compliqué quand deux personnes ne sont pas évoluées, c'est mais ça marche pas, d'accord? Peut-être que maintenant, tous les deux, vous êtes devenus adultes, plus responsables, vous faites de meilleurs choix, vous êtes moins impulsifs. Et donc, du coup, cette personne se rend compte de ce que vous valez. Et ça peut être délicat parce que punaise, mince, c'est mon impératrice. Et on a eu l'empereur tout à l'heure. Mais ça peut être aussi, alors si on ne parle pas d'une relation où les deux personnes se sont rencontrées au mauvais moment, ça peut être aussi une personne qui passe par une phase difficile et qui vient chercher du réconfort ou c'est une mauvaise nouvelle pour vous parce que c'est une personne qui vient vous pomper votre énergie aussi. Les épées, l'impératrice. Parce que là, il y a beaucoup trop de. Il y a plein de possibilités. Mais bon, en général, quand il y a beaucoup l'énergie de la mort et des scorpions, c'est toujours. C'est un peu comme un oignon. Il y a toujours plein, 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 plein de couches. Ce qui est tout à fait normal. Le valet des épées, l'impératrice. C'est toujours attendu. Le chevalier de bâton et le 5 de bâton. Ouais, mais ça peut être une personne qui, elle aussi. Chevalier de bâton. Le soleil. Pourquoi le 5 de bâton alors? Le 4 de denier, la force, la justice. Il va falloir que vous restiez fort. C'est une personne qui va vous tenter. Soit il va falloir que vous restiez fort et que vous n'acceptiez pas cette personne parce qu'elle-même n'est pas encore totalement mûre, parce que c'est quand même un chevalier de bâton, pour une impératrice, c'est pas trop ça. Soit vous allez devoir
vous battre pour que cette personne ne vous apporte pas le chaos, mais la stabilité. Vous allez devoir vous battre pour que cette personne vous apporte un équilibre et tout ce qui est juste. En gros, ok, tu vois ma valeur maintenant, mais je veux que toi aussi tu puisses évoluer, que tu m'apportes. Parce que ça peut être un empereur dans le sens où c'est une personne qui a sa vie qui a sa vie bien réglée au niveau matériel et financier, mais ça peut être un chevalier de bâton, quelqu'un qui est assez immature au niveau de son énergie sexuelle. Ça peut être un signe de feu, lion ou sagittaire, mais plutôt une personne qui... Ça peut être une personne, ouais, qui a sa vie, ses finances, etc., mais quelqu'un de très immature au niveau sexuel ou quelque chose comme ça. Avec le 5 de bâton, ça parle de conflit. Conflit au niveau de la stabilité. Conflit dans le sens où vous allez vous disputer parce qu'il va falloir que vous soyez fort, etc. Vous devez lutter pour pouvoir avoir l'harmonie et pas lutter pour pouvoir avoir une personne que vous souhaitez, qui représente peut-être quelqu'un que vous souhaitez, mais avec laquelle c'est extrêmement conflictuel, d'accord? On a le 4 d'épée qui dit que après avoir eu une situation, vécu quelque chose de difficile qui vous a fait de la peine, vous avez l'arme pour pouvoir vous protéger maintenant. C'est pas comme avant où vous étiez à nu, on va dire, et vous avez dû subir l'étoile et guérir comme pas possible de quelque chose qui était inattendu, de choquant. Maintenant, vous savez ce que c'est, donc avec l'épée qui est là, vous êtes censé pouvoir vous défendre. Ouais, ça peut parler d'une relation, de quelqu'un du passé qui revient. Il va falloir que vous exigiez que cette personne ait évolué, ou que vous n'avez pas effectué autant de travail sur vous pour guérir, pour retomber dans les mêmes travers. Si cette personne n'évolue pas et ne vous apporte pas ce que la version de vous qui a guéri, ce dont elle a besoin, c'est pas la peine. Faites confiance à votre intuition pour voir la vérité. D'accord? Vous avez besoin de faire confiance à votre intuition concernant ça et pas à vos émotions. Le chevalier de deniers, donc du coup, d'où le besoin. C'est pour ça que je vous ai dit que là, même si des fois je critique beaucoup les vierges parce que voilà, on aime trop réfléchir, etc. C'est bon dans certaines situations comme là, c'est bon de prendre du recul et de penser à tout, de limite. Si cette personne revient, vous dire est-ce que sur le long terme, c'est une personne qui va pouvoir m'apporter. Ouais, on a le 2 de deniers à l'envers. Ça va vous perturber un peu. Le 9 de bâton, oh non. Le 9 de bâton et le diable, ça va. Ouais, ça. Alors là, surtout si vous êtes du signe de la Vierge ou un signe qui réfléchit énormément. Les scorpions réfléchissent aussi beaucoup, énormément, d'accord? Même si ils font comme si. Ce sont des personnes qui. Tout pour ne pas être blessées, en fait. Il y a des signes comme ça qui sont extrêmement sensibles et qui réfléchissent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils veulent protéger ceux qu'ils ont de plus cher, qui sont leurs émotions ou une version d'eux qu'ils ne veulent pas montrer à tout le monde. Parce que c'est la version qui parle de vulnérabilité, et c'est clair qu'on ne peut pas être vulnérable avec n'importe qui. Et quand on se trompe, ça fait extrêmement mal. Et là, vous allez devoir prendre du recul parce que ça va vous déstabiliser, vous allez vous prendre la tête, vous allez être sur vos gardes, ça va être intense. Le chevalier des épées, l'as des épées, les amoureux, le 9 de denier. Ouais, je sais pas ce que je veux, j'ai envie de foncer. Ah, il y a la grande prêtresse. J'ai envie de foncer, de communiquer, mais mon intuition me parle, il faut que je voie la vérité, il faut que je fasse un bon choix, je préfère rester indépendant, je veux la vérité. Tout ce que vous souhaitez, c'est voir clairement les choses. Et c'est ce qu'il va falloir que vous exigiez, justement. Que cette personne soit claire avec vous, pas de voile, pas de je sais pas où on va. Faut que cette personne, pour que vous ne soyez pas dans cette énergie, il faut que cette personne vous apporte la clarté et pas la confusion. Et avec le diable, on a le 10 de bâton. Ça peut être une personne qui peut être assez compliquée ou assez nocive, donc faites attention. Le 9 de bâton. Ça peut être le genre de personne. Vous voyez, le genre de personne, vous avez beau évoluer chacun de votre côté, il y a toujours cette. C'est une personne qui est juste difficile à comprendre ou qui complique les choses à outrance et tout. Ça peut être ça, en fait. Le genre de personne qui, avec elle, c'est toujours extrêmement compliqué. Au lieu d'être juste tranquille, simple, on respire et je peux te faire confiance et tu peux me faire confiance et on avance ensemble. Non, c'est une personne qui vous fait réfléchir comme pas possible, qui vous met dans tous vos états. Ça peut être une personne que vous aimez, mais ça, si cette personne vous met dans cet état-là, le chevalier de denier et le 9 de bâton, c'est pas positif. C'est quelqu'un qui vous fait aller dans les extrêmes. La reine de coupe.
et la mort. Soit vous avez effectivement affaire à un scorpion, soit vous avez besoin de prendre soin de vous avant et d'accepter de dire, c'est quoi, non, c'est trop compliqué. Si vous avez une personne du passé qui revient et que c'est la même vibe que vous avez que dans le passé, la meilleure des choses, c'est d'arrêter. Pourquoi? Parce que ça veut dire que cette personne n'a pas évolué, n'a pas avancé. C'est le même type de personne qui va apporter des complications, des difficultés. Ça va être lourd. D'accord? Et avec le diable et le 10 de bâton, ça peut être aussi une situation, et je crois qu'on l'a vu hier, une situation du passé qui revient pour vous tester, pour voir si vous avez compris votre leçon. Et ça peut être quelque chose qui vous... C'est une personne, une situation qui vous plaît, et vous allez devoir résister à la tentation. Parce que les gens aiment bien dire le diable ceci, le diable cela, le diable est laid, etc. Le diable n'est pas laid du tout. Le diable, c'est exactement ce que vous souhaitez. Le diable représente en général ce que l'on souhaite, notre souhait. Il se déguise en ce que l'on souhaite pour devenir qui, enfin pour montrer qui il est après. Et peut-être que pour certains, vous allez devoir résister à la tentation. Ne pas recommencer à donner à une personne que vous voulez tellement. Parce que c'est une personne qui va vous mettre dans tous vos états, qui va vous déséquilibrer, qui va peut-être vous pomper votre énergie. Vous avez besoin de prendre soin de vous avant tout. Si cette personne ne vous apporte pas de la douceur, et que cette personne vous apporte le chaos et les complications et je réfléchis et tout, c'est pas la peine. Surtout si vous avez vécu ça avant et que vous vous rendez compte que c'est la même chose. Vous allez le ressentir de toute façon. La reine de bâton, le 6 de denier. Non? Ok. La reine de bâton, là, ça peut être vous, si c'est vous, bien sûr, qui allez être dans votre ego, parce que vous allez vous rendre compte que, bizarrement, cette personne revient maintenant, alors que ça peut être une personne qui vous a fait souffrir comme pas possible, qui vous a abandonné maintenant. Ah, tu reviens. Faites attention à ne pas essayer de vous venger, à ne pas essayer de faites attention à votre ego. Ne soyez pas dans l'énergie des « Oh, tu reviens me voir maintenant, tu vois ma valeur. » Non, ce serait pas cool. C'est pas parce que vous avez évolué ou autre ou que cette personne se rend compte de qui vous êtes maintenant qu'il faut commencer à être hautain. Vous pouvez reconnaître ça et vous dire, punaise, ouais, il reconnaît enfin ma valeur, certes, mais pas dans le côté égo, genre tu reconnais ma valeur maintenant, donc you are my bitch, quelque chose comme ça. Le 4 de denier. La force et la justice. Encore une fois, pour le 6 de denier, vous devez exiger la stabilité. Et il va falloir que vous soyez fort. Vous devez exiger la stabilité, l'harmonie, la paix, la justice. Ça peut être aussi, alors si on ne parle pas d'une relation, ça peut être aussi vous qui obtenez la possibilité par rapport à une personne qui a peut-être été assez injuste ou qui a essayé de créer des difficultés pour vous, la possibilité d'avoir grâce à la loi le choix de dire oui ou non. C'est un peu comme si vous aviez, peu importe la situation, qu'elle soit amoureuse ou autre, c'est un peu comme si vous aviez un terrain, une longueur d'avance sur quelqu'un maintenant, parce que la justice est dans votre camp, donc maintenant, vous avez la force, c'est vous qui avez le pouvoir. Et c'est vous qui allez devoir faire un choix. La justice. La justice, c'est la lune à l'envers. Plus de secrets, plus de mensonges, les choses. Ça peut être la justice. Si on parle d'une affaire en justice, la justice qui voit toutes les manipulations, les secrets, les choses. Ou peut-être que c'est un message aussi de la loi qui est enfin dévoilée. Ou... Le hiérophant, l'étoile. Enfin, justice est faite. Il y a une situation qui se débloque. Hein. Si vous étiez totalement dans l'ombre concernant une situation judiciaire, ça commence à se développer. C'est un nouveau départ, une nouvelle vie. Pour d'autres, c'est comme je l'ai dit, pour une relation, vous qui avez besoin d'exiger la stabilité, l'harmonie et la justice, de ne pas avoir peur de demander ce que vous souhaitez. Et si cette personne ne veut pas vous offrir ce que vous souhaitez, alors que vous demandez simplement la stabilité, l'harmonie, c'est que cette personne n'est pas faite pour vous. Gardez la foi. Ne perdez pas la foi. Peu importe la situation.
Et puis on a la roue de la fortune. C'est pour ça qu'on a les forces opposées. La roue de la fortune. Le roi de coupe. Le 7 de coupe et le jugement. Ouais, vous aurez besoin de maîtriser vos émotions afin de faire le bon choix, de prendre la bonne décision concernant ce changement, que ce soit une relation amoureuse ou une affaire en justice. Le 8 de denier, le roi de bâton, le 2 des épées, le 10, le 7. Faites attention. Ouais, vous avez affaire, que ça, peu importe la situation, vous avez affaire à une personne qui a de l'ambition, mais vous avez besoin de faire attention à votre intuition, faire le bon choix. Parce que ça peut être différent pour chacun d'entre nous. Pour certains, ça sera une personne du passé qui revient, pour d'autres, ça sera une affaire en justice qui est enfin terminée, ou on lève le voile sur cette affaire et c'est terminé, mais toujours est-il que le choix vous revient. Ça sera à vous de faire le bon choix et pas avec les émotions. Clarifie le jugement et la roue de la fortune. La lune et l'étoile, vous aurez du mal. Vous allez avoir peur de faire le mauvais choix. Il va falloir que vous ayez la foi, que vous priez pour ça, ou que vous suiviez votre intuition aussi. Ça veut parler d'un nouveau départ aussi au niveau d'une maison, puisque la lune représente les cancers, donc la famille, la maison. Ça peut être un nouveau départ pour certains, vous avez peut-être déménagé ou avoir la possibilité de enfin avoir un environnement. Surtout si vous vous battez pour un logement ou vous battez depuis un certain temps pour quelque chose, là c'est ouf. Enfin la situation se... Ouais, c'est un succès, enfin la situation se va mieux ou quelque chose comme ça. C'est plutôt positif. Hein. Mais il ne faut pas oublier que l'étoile représente les Verseaux, donc un changement radical, drastique. Aller de l'avant, ne pas regarder derrière, même si ça fait mal. Parce que vous allez vers la réussite, le succès. Ah, le 4 de coupe, une proposition qui va vous rassurer émotionnellement, mais le 9 d'épée. Pourquoi un cauchemar sans fin et le 8 de denier? Je comprends pas. Pourquoi le 9 des épées et le 8 de denier? Pour certains, vous allez avoir une décision à prendre. Vous allez vous dire, punaise, mais c'est toujours pas fini, j'en ai marre. Ouais, un besoin de fournir des efforts. Ouais, peu importe la situation, que ça soit une personne du passé qui vous a blessé ou une situation en justice, il y a un besoin de fournir des efforts, de faire le bon choix pour avoir un retour sur investissement. Faites le bon choix. Ouais, vous aurez une décision à prendre et ça risque de ne pas être super facile, que ça soit pour une personne du passé qui revient ou une affaire en justice. Vous pensez que c'était terminé, mais ça va demander encore un tout petit peu de boulot, encore un peu. C'est embêtant quand ça fait ça, mais ça arrive. Quand on pense qu'on a déjà fini, que c'est enfin terminé, qu'on peut avoir la paix, et ben non, il y a une nouvelle couche. Et ça peut être un test. Un test pour voir si vous avez évolué, pour voir si vous allez prendre de meilleures décisions, pour voir si vous allez garder votre ego sur le côté et ne pas vous la péter si vous avez la possibilité de prendre une décision. Ça peut être un test de Saturne, ouais, voir comment vous allez réagir dans une situation où c'est vous qui avez une longueur d'avance ou une situation qui revient et vous aurez besoin de prendre une décision. C'est pour ça qu'on a les forces opposées. Vous pouvez aller dans la bonne direction, mais avant de passer au monde qu'on a vu au début, un dernier petit test juste pour voir si vous pouvez rentrer dans l'œuf du monde. Juste pour voir si tout est tip-top, c'est possible. Si vous pouvez passer à un autre cycle. Qu'est-ce qu'on a? Damn. Ok. Prise de pouvoir, clarté, et on a le corps. Ok, donc prise de pouvoir. Lorsque l'on demande au divin de prendre le dessus, c'est dans son propre pouvoir que l'on puise. Ce pouvoir est la force de l'amour intérieur qui veut notre intégrité et notre magnificence. Révèle mon moi véritable et éclatant, Seigneur. Ok. Clarté. Laissez-moi me reposer sur mes instincts les plus profonds, en particulier quand les enjeux sont flous. Que ma propre intuition sacrée guide mes pas. Et ça, on l'a vu. Hein. Vous aurez besoin de faire confiance à votre intuition pour faire les bons choix.
et besoin de demander au divin de vous accompagner, ça risque d'être une situation tendue. Surtout si on parle de quelque chose que vous souhaitez ou... Ouais. Corps de Dieu, donne-moi, Dieu, pardon, montre-moi comment aimer ce corps et comment en prendre soin. Je t'en prie, donne-moi le miracle radieux qu'est l'acceptation de mon corps tel qu'il est. Si on part d'une situation où il y a quelqu'un qui vous a traité comme de la merde dans le passé, qui voit votre valeur, vous aurez besoin, le test, ça sera de ne pas redonner une chance à une personne, surtout si cette personne vous montre qu'elle n'a pas changé, qu'elle n'a pas évolué. Qu'elle est toujours instable émotionnellement. Ouais, on a le chevalier de coupe, le 3 des épées et le 3 de coupe. J'ai beau essayer de faire pencher la séance sur le côté un peu plus général, ça peut parler d'une personne, d'une relation amoureuse, d'une personne du passé qui est quelqu'un d'instable et plein de drames, quelqu'un qui vous a brisé le cœur et quelqu'un qui est toujours en train d'aller voir ailleurs, ça. Et ça peut être un signe d'eau. D'accord? Plus particulièrement Scorpion, mais ça peut être un signe d'eau. Quelqu'un qui n'a pas changé, quelqu'un qui va venir et vous aurez l'impression que c'est génial, etc. Mais derrière, il va y avoir un tas de drames, un tas de complications. Vous avez besoin, ouais, la justice et le diable, littéralement. Vénus et Saturne. Vous aurez besoin de lutter et de ne pas être tenté de faire ce qui est juste et équilibré. Et on vous a dit dès le début ça. Vous luttez contre des forces opposées. Et la justice et le diable, ce sont des forces opposées. Parce que le diable, ce sont les contraintes, les difficultés, les épreuves, le côté nocif. Et la justice, c'est Vénus et l'abondance, l'équilibre, l'harmonie, la paix. La justice, littéralement. Ouais, vous aurez besoin de faire le bon choix, de faire ce qui est juste. Et ça peut être compliqué, ça risque d'être un peu compliqué parce que c'est possible, comme je l'ai dit, que le diable qui est là, c'est un test. C'est possible que ça soit un test, mais le truc, c'est que le test, ça sera exactement ce que vous souhaitez. Ça peut être, peu importe, le diable représente toujours ce que l'on veut le plus. Le diable sait ce que l'on souhaite au plus profond de notre cœur, c'est pour ça qu'il nous le propose en échange de quelque chose. Et c'est pour ça que c'est aussi compliqué aussi avec lui. Alors que quand c'est le divin qui vous le donne, ça peut prendre un certain temps et c'est chiant parce qu'il faut avoir de la patience. Mais le divin sait aussi, Dieu sait aussi ce que l'on veut, mais ça n'arrive pas aussi facilement. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Je te donne ça, donc tu me donnes ça. Il y a... Tu mérites d'avoir ça, donc je te le donne. Alors que le diable, c'est pas du tout ça. Le diable, c'est un échange, entre guillemets, comme on dit, de bons procédés. Tu me donnes un truc, je te donne un truc. C'est jamais vraiment... Juste accordé, c'est 50-50. Donc à vous de voir, d'accord? Faites attention à ne pas retomber dans des. Faites attention à faire les bons choix, ne pas retomber dans les bras d'une personne, ne pas tomber dans une situation qui risque de vous prendre plus que qu'elle ne vous donne. Parce que l'énergie du diable, c'est ça, d'accord? C'est une situation qui vous donne et qui vous prend plus qu'elle ne vous donne. Donc faites extrêmement attention parce que ça risque d'être assez compliqué de faire le choix, surtout quand il s'agit d'une chose que vous souhaitez. Okay? Et bien sûr, faites attention maintenant, surtout si vous êtes la personne, si on ne parle pas d'une relation amoureuse, hein, si on parle d'une relation où on va dire quelqu'un se rend compte que vous avez de votre valeur, ou si ça part d'une autre situation où vous avez, on va dire, une longueur d'avance ou le pouvoir, faites attention à ce que votre ego ne prenne pas le dessus et que vous ne soyez pas en mode ok, j'ai le pouvoir, c'est moi qui gère, donc maintenant je vais te faire souffrir. C'est jamais la bonne chose à faire, d'accord? Faites ce qui est juste et équilibrez ce qui est vrai. Même si vous avez affaire à une personne qui vous a fait de la peine ou autre, ne vous comportez pas comme la personne qui vous a fait du mal, qui vous a arnaqué. C'est trop facile d'avoir la haine et de vouloir se venger quand on a le pouvoir. Et c'est ce qui fait que ça va vous mener à votre perte, d'accord? Donc c'est chiant, mais savoir rester humble, c'est la meilleure des choses parce que ça permet d'aller dans la bonne direction. Donc faites attention, ok? C'est ce que j'ai pour vous pour ce jeudi 24. Je vous souhaite